Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. Alors, dans le dernier épisode, nous avons continué la fouille du centre-ville et nous sommes arrivés sur le toit du bâtiment de bureau sans avoir trouvé les bouquins. Alors, entre-temps, moi j'ai consulté... J'ai consulté ma petite carte. Ok. Ouais, j'ai consulté ma petite carte et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques maisons dans le coin qui n'avaient pas été faites. Alors, notamment derrière l'église. L'église se trouve, voyez, derrière moi. Et donc, j'ai bien l'intention d'aller y faire un petit tour. Et bien, si possible, avant la tombée de la nuit. Alors, on va passer par le parking. On va éviter d'ameuter le quartier. Donc voilà, il y a toute une série de petites maisons ici qui, a priori, n'ont pas été faites. Je vais remettre ça. Voilà. J'aime bien avoir ma petite fenêtre toujours visible. Ça permet de voir les loots quand il y en a. Ok, donc les maisons là, là, et normalement il y en a une autre. Qui est... Bon, j'irai c'est par là-bas. Et là dans le pâté, là vous avez un pâté ici en fait avec tout un tas de maisons. Et normalement, elles n'ont pas été faites. Ok. Ok. La personne à l'intérieur, a priori. Alors, personne... Des pales. Ça, c'est... Ah, du lait. Le lait servant pour faire certains soins pour les plantes. Et je crois que le lait, c'est précisément ce qu'il nous manque. Il n'y a rien là-dedans. Bon, pièce d'échec, je m'en fiche. Et voilà, bon, pas de bouquin. On traîne pas. Ce quartier est très calme. Vous voyez, quand je suis descendu dans le centre-ville m'installer, je crois que j'ai choisi le quartier où il y avait en fait le plus de zombies. Alors on a envie de dire, ça fait de l'action. Là. Pour l'instant, on n'a personne. Ok. Allez, petite fouille. Bon bah, éventuellement, ça c'est pas mal du tout. Ouais, recherche, je crois qu'on est très au-delà de ça, voilà. Je joue pas mal en multi en ce moment, alors du coup, je ne sais plus trop où en est mon personnage. Le serveur a une bonne fréquentation en ce moment, je suis super content, il y a beaucoup de joueurs, des joueurs expérimentés en plus. Du coup, ça donne lieu à de la belle survie, pas mal d'entraide en plus, c'est-à-dire que... C'est vrai que on n'est pas non plus ultra nombreux, mais du coup les débutants sont quand même bien accueillis, voire pour certains carrément encadrés par des joueurs expérimentés qui... Oh ouais, 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 on est Metalwork, il me faut 5, 6, ça c'est 7, 8. Ah, damn, c'est pas le bon. 3, 4. 3, 4, on l'avait déjà. Par contre, cuisine. Cuisine, c'est 7, 8. Ouais, non. Non. Non, non, non. C'est pas le bon. Ah, c'est triste. C'est triste, ça, quand même. La personne ici.
balles, c'est ridicule. C'est vraiment le truc pour faire du bruit, quoi. Éventuellement, pour le délire, on peut toujours augmenter la compétence, hein. C'est voilà, mais moi, c'est pas trop mon délire. Bon, bah, j'ai rêvé. Ah non, si, voilà, on voit une petite entrée ici. Ah, c'est marrant, elle me dit quelque chose, cette maison. Alors, c'est vrai que vous avez des patterns de maison, hein. Les maisons se ressemblent. Bon, après. Après, c'est vrai que je vois pas de cadavre. S'il n'y a pas de cadavre, c'est qu'a priori. À quoi là-dedans? Du lait, ça c'est bien par contre. Ça j'aime plutôt pas mal. Pistolet, par contre il n'y a pas de bibliothèque ici. Non. On n'a pas de bibliothèque. Qu'est-ce que t'avais entendu là-dedans toi? On va se manger un petit morceau. Qu'est-ce qu'on avait? Faire une petite cure de chips. On a la maison d'à côté. Si on peut ne pas avoir à s'occuper de ce groupe qui se trouve juste là, on va directement passer. J'entends pas de bruit. On n'y voit pas terrible. Chardonnay et cornichons. On a une bibliothèque ici, agriculture expert. 8, 7, 8. Ah, celui-là, c'est un qui nous manque. Oh putain! Oh, comment j'ai sursauté! J'ai sursauté. Heureusement que je n'étais pas en train de boire mon café à ce moment-là. Bon, on n'a pas tellement eu ce qu'on voulait. Il reste une maison là-haut. J'ai pas l'impression que les petits loulous là m'aient vu. Ce qui m'arrange, je vous dirais. Ça m'arrange pas mal. On a un petit groupe là dans les bois. Je pense que je vais tenter. Personne là-dedans, par contre, je ne vois pas. Je vois pas de bibliothèque. On entend du bruit là. Comment va-t-on s'y prendre? On va passer là. Bon, on va passer par là. Discretos. Bon, là, en termes de discrétion, j'ai vaguement raté, mais bon, j'en ai à me tuer qu'un seul. On va continuer. Donc, dans ce pâté de maison, il y avait des choses. Et là, je vois une maison là. Ouais, je vois une petite maison ici. Ah, une grande maison. On va aller voir. Naturellement, c'est fermé. Ne cherchons pas à faire le héros.
petit groupe là. Toi, Minette. Je te sens que moyennement. Je ne te sens que moyennement. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon. Il y a quand même une certaine agitation dehors. On va pas non plus traîner trop longtemps. Couteau. Maïs. Bolognaise. On a de la nourriture en quantité. Chocolat. On commence quand même à être sérieusement plein. Ce qui tombe pas mal parce que je pense que c'est la dernière maison de la série. Il n'y a personne ici. On va quand même faire un petit tour. Parce que si le pattern de maison correspond à celui où on a installé notre base. Ah ouais, non, il est légèrement différent. Vous voyez, on a... ouais, la ficelle, ça pour les pièges. Les carottes. Ah, celui de tout à l'heure, mais comment il m'a fait flipper, quoi. Terrible. S'agiter là, ils sont où? Ils doivent être dans l'angle mort, je pense. Ok, on a encore une maison au bout là. Je suis à moitié paumé là, je ne vois plus trop où je suis. On a encore une maison à côté. Personne ici. Il n'y avait personne là. Qu'est-ce qu'on a là? Du poivre, du sel. Le sucre, c'est plutôt utile pour tout ce qui est... ouais, vinaigre aussi. Pour tout ce qui est bocal. Ouais. Et on a une on a deux bibliothèques. Piégeage expert, calepin vide. C'est pas ça que je voulais. On va même pas faire la. On va même pas faire la chambre. On va pas s'embêter. On est où là? Faut pas que je me perde. Ah si, c'est là l'endroit où j'ai été chercher le poêle. D'accord. Je vois où on est. Je vois où on est. Et donc cette maison là, a priori cette maison là a été faite. On va quand même aller voir, mais je vois, voyons, on voit la porte ouverte. Donc ça a dû être fait. Ça sert à rien que je prenne des risques inconsidérés. Bon, il est 17h20, je pense qu'on va remonter doucement. Alors, par cette route-là... Ouais, par cette route-là... On va passer un peu sur le côté, là. Ça va permettre de... d'expérimenter un peu notre furtivité, même si on est déjà très haut. Ici. Le petit kiosque. Ok. Là,
Alors, on doit en voir encore des maisons par ici. On doit encore avoir des maisons par là, ouais. Vous voyez, celle-ci, je suis pas réellement sûr qu'on l'ait faite. Celle-là n'a pas été faite. Je vais faire le tour. On va aller voir un peu ce qui se dit là. Intéressant, à part peut-être quelques clous. Un couteau à beurre. Si, si, on a des trucs bien. Je commence à être chargé. Bon, il est 18h de toute façon. De toute façon, il va falloir se rentrer. On est plus que plein. Allez, allons-y. Ouais, et puis en plus il pleut. Bon, je vois rien en face. On va tenter une petite courbe. On a du monde là. Avec tout ce qu'on a défoncé, c'est quand même dingo qu'on ait autant encore de zombies. On ait encore des zombies dans le coin. Ok. Home sweet home. On est rentré. Je vais faire un peu de rangement. Bel orage. Donc je vais ranger tout ça. Ouais, tout ça je vais garder. La farine. Le lait pourri, je vais le mettre dans le frigo. Levure. Macaroni. On va laisser ça là. Le Rubik's Cube. Ici. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autre? Oh, j'aurais dû démonter ça. Ça, je range. Ça aussi. Ça, je démonte. Toute la bouffe qu'on a. Est plein. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais plutôt le récupérer. Et mettre, vous voyez, tout ce qui est chips, chocolat et tout ça, plutôt dans le frigo. Et le chocolat. Voilà, comme ça, c'est plus cohérent. On a les conserves qui sont ici. Cornichons, pareil. Le miel, les macaronis, tout ça va aller au frigo. Ouais. Ça me paraît être une meilleure idée. Bon, allez hop. Tac, ça, ça, les nouilles, le miel, macaroni. Les cornichons aussi. Et les chips. Et le chardonnay. Ah ouais, on a vraiment plein de trucs, hein. Ok, et dernière étape, le matériel.
matériel. Je pense qu'on va quand même laisser pas mal de matos ici, parce que de toute façon, on va être amené à revenir. Ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'au prochain épisode, je vais remonter à la base. Déjà, ça va permettre de faire une navette avec le sol du Spiffobar. Je vais également tenter un truc un peu stylé. Je vais tenter un truc un peu stylé. Je vais essayer d'équiper un troisième sac. Bon, allez, hop. Comme un vieux chaoui, on met tout ça ici. Là, les bêta-bloquants. Bon, le briquet, je m'en fiche. Ou le robot, je m'en fiche. Ça, je vais garder sur moi. Ça, je vais le mettre là. Voilà, bon, ça fait un peu loose sur la fin là, mais c'est très bien. Ok, allez, on va profiter de cet orage pour dormir un petit peu. Je te laisse finir son transfert. Ah bah ouais, j'avais tout ça là. Tout ça, je m'en fiche. Allez, on dort. Et donc au prochain épisode, eh bien je pense que nous allons faire une navette à la base, déjà pour aller voir faire un état des lieux de la base. Et puis pour transporter un petit peu de sol, l'orage continue. Il ne faiblit pas. Pour ça, il va quand même falloir que je deuxième sac, et eh bien écoutez, on s'en occupera au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre petit pouce, commenter et partager. Et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut!